Si vous écrivez du code récursif, vous pourriez rencontrer de temps en temps une erreur qui est une erreur que vous allez voir dans la console, qui est un Stack Overflow Exception. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce Stack Overflow Exception? En fait, c'est une exception qui survient lorsque vous avez consommé trop de mémoire, et c'est de la mémoire qui est utilisée simplement au cours des appels récursifs. Alors, petit exemple où vous pourriez rencontrer ça. Vous voulez calculer la factorielle et vous écrivez la factorielle d'un nombre et vous écrivez ici un code qui fait ce calcul de manière récursive. Ok, un code tout à fait standard. Mais si vous déroulez ce code factoriel, factoriel, en fait, vous faites n fois n moins 1 fois, etc., etc. Et à chaque fois, ceci, c'est un appel récursif. Et il faut maintenir évidemment l'état du calcul jusqu'à présent. Ok? Et donc ça, vous allez le stocker sur ce qu'on appelle la stack mémoire des appels des méthodes. Et si jamais vous atteignez une certaine limite dans la profondeur des appels récursifs et donc de la mémoire que vous utilisez, que vous allouez pour les appels récursifs, c'est Java évidemment qui alloue cette mémoire, lorsque cette limite est atteinte, vous avez ce qu'on appelle un stack overflow exception. Alors vous avez la possibilité d'augmenter cette limite, par exemple en la spécifiant ici à 4 MB. Mais lorsque vous rencontrez ce genre d'exception, c'est aussi probablement un signe que vous avez une récursion infinie. Okay? Donc si vous voyez Stack Overflow Exception, posez-vous la question, est-ce que je rencontre mon cas de base de ma récursion ou est-ce que je n'ai pas une récursion infinie? Alors dans de rares cas, vous atteignez cette limite parce que vous avez vraiment un appel qui est très très profond et un nombre d'appels récursifs très profond. Mais souvent, souvent, c'est une récursion infinie que vous avez. Et donc cela devrait vous donner la puce à l'oreille lorsque vous rencontrez cette exception.